Je suis MM, c'est mon pseudonyme. Je suis dessinateur depuis une quinzaine d'années maintenant. Je travaillais auparavant sur une série qui s'appelle Carmen McCallum, une autre qui s'appelait Idol. J'ai travaillé aussi sur la série Jour J. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Renaissance, un nouveau projet avec Fred Duval au scénario et Fred Blanchard au design. J'ai choisi de vous parler d'une planche bien particulière de l'album. On découvre Satie et Swan, qui sont les deux protagonistes extraterrestres de l'histoire. Et on les découvre dans le cadre bien particulier de leur mariage. Il s'agit de la réunion de famille, on va dire, et d'une cérémonie rituelle qui valide leur mariage. L'idée de Renaissance, c'est de voir l'arrivée d'extraterrestres sur Terre, mais de leur point de vue. Et donc pour ça, il fallait qu'on rencontre les deux personnages, qu'on les voit vivre. Et le mariage était une bonne occasion pour ça. Et donc c'est à ce moment-là que je pense avoir rencontré les deux personnages, les avoir trouvés, la façon de les incarner, les représenter. Le graphisme de Swan et donc des extraterrestres Nakan a été trouvé au bout de longues recherches. Là, il y avait Fred Blanchard qui était responsable, entre autres, des designs de toute la partie extraterrestre. Il a même été jusqu'à sculpter un visage d'extraterrestre Nakan pour me le proposer. J'ai pu travailler à partir de ça, de cette sculpture que j'avais sous le nez à peu près tous les jours. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose en couleur de très joyeux, des lumières surtout, une lumière sur tous les éléments naturels. Je travaille sur la perspective atmosphérique, notamment. J'essaye de renforcer ce que je montre déjà au trait, c'est-à-dire d'avoir un trait qui s'affine, s'amenuise, selon les distances, en fait. Je me permets de jouer avec des petits effets de brume et des choses comme ça pour montrer la profondeur de champ, donc qui permet de mieux lire l'image et puis me donner une petite ambiance supplémentaire. Pour le storyboard, c'est du numérique. Je travaille avec une tablette Cintiq, ce qui permet de positionner tous les éléments nécessaires à la compréhension de la page. Le groupe de personnages, texte, bulles. Donc une fois que j'ai tout ça, je m'attelle au plus dur, c'est-à-dire le crayonné que je fais aussi numériquement. Je peux comme ça corriger des perspectives, corriger des visages, corriger plus facilement. Donc ensuite, j'imprime une version bleue de la page sur laquelle je vais ancrer par la suite. D'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà, d'essayer de comprendre le dessin d'un artiste techniquement, mais aussi de comprendre l'état d'esprit dans lequel il était au moment où il a réalisé son dessin.